Bonsoir à tous et à tous et bienvenue sur Genre de Sport pour cette journée de National et bienvenue à Duvauchel aussi. J'ai presque oublié de préciser, vous n'avez pas l'habitude de me voir évidemment Duvauchel, mais ça fait partie un petit peu des nouveautés, c'est-à-dire que chez Genre de Sport on va un petit peu partout et ça fait partie ce soir puisque l'US Créteil reçoit le Stade Pinalien pour cette journée de National. Oui, c'est du côté du Stade Duvauchel, on va avoir un match censé déséquilibrer, on sait que sur la feuille de match, ça ne peut pas déséquilibrer, mais on va vous montrer que du côté d'Épinal et des joueurs des Vosges, il peut aussi avoir évidemment des joueurs avec un très bon CV, et c'est évidemment ce qu'on va vérifier par la suite du match. Au moment où les équipes viennent entrer sur le terrain, alors une, ce léger retard de prise d'antenne, mais c'est vrai qu'une pluie s'abat ici du côté de Créteil, et je pense sur une grande partie de l'Île-de-France, c'est très fine, mais très désagréable pour le matériel, donc des petites choses moins agréables pour le et on va évidemment suivre pour le reste de cette journée de championnat une envie de continuer les bons résultats du côté de Créteil et on va le suivre évidemment pour le reste de ce match où il reçoit évidemment Épinal aussi une équipe en grande difficulté depuis le début de la saison qui a besoin de points et évidemment de 3 points et on l'a vu hein, chez les Spinériens qui sont arrivés tout de suite en grande forme au moment d'échauffement, on sentait une progression du collectif en attendant le coup d'envoi et de vous rappeler juste les compos d'équipe. Je pense qu'on va juste vous les donner après ce coup d'envoi. C'est le coup d'envoi qui va être donné par des Spinaliens qui jouent en bleu face à des Cristoliens en blanc, évidemment, short d'or habituel. Le coup d'envoi va être donné par les Spinaliens. On va tout de suite essayer d'aller chercher un long ballon et d'aller loin vers l'avant pour le joueur d'Épinal avec Jonathan Régalien qui va dégager. Ce sera une touche pour l'US Créteil et donc on va venir revenir sur cette compo, sur ces compos d'équipe exactement du côté d'Épinal et de Créteil. On va commencer hein, par l'US Créteil avec dans les cas Gigan Carboriou, Jonathan Régalien, Deo Dalembo, Johan Paul, Youssouf Nkate, Cyril Mouzouki, Kevin Saint-Lus, Wilfried Kwanga, Sergio Silva Rodriguez, Sébastien Pubronier évidemment aussi en défense centrale et Johan Paul en tant que capitaine. Johan Paul, c'est très juste sur ce joueur d'Amiens, donc gros CV. Alors je sais que vous avez peut-être l'habitude ici à Duvauchel d'avoir Julien Yach qui sera sur le match du Red Star. Vous ne vous embêtez pas, si vous avez absolument besoin de le retrouver, vous pouvez le voir évidemment sur le lien Ligue 2 entre le Red Star et Laval. Et pour nous, ce sera un bon match national. On se retrouve aussi demain pour pousser d'un bière qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ce sera un bon match national avec ce Créteil Épinal. Comme je disais, Créteil qui a besoin d'enchaîner bon résultat après son match nul du coup. Château, la semaine dernière, un but partout, c'était du partout, mais donc, il y avait marqué pour les Cristoliens sur penalty. Donc Créteil a besoin d'enchaîner, de continuer pour viser cette montée, cette remontée en Ligue 2 du côté d'Épinal. On aura le temps de faire nos petits points d'NCG, évidemment, parce que c'est pour s'en signaler que Épinal fait partie des équipes qui sont très régulièrement sauvées. C'est pas les seuls, le PFC l'a été aussi il y a maintenant 3 ans, et là c'était Épinal qui est habitué grâce à une bonne santé financière, c'est qui sera le trôneur. Évidemment, on va avoir du coup évidemment une équipe pas forcément surprise. On va voir sur les CV qu'il y en aura quand même une des joueurs qu'on connaît, qu'on a déjà entendu. Je pense notamment à Samir Kassabou-Diawara pour ce qu'elle a composé, ce sera Rodgers, M. Passy, Mike Nestor, Samuel Guibert, Anis Elriti, Jérémy Collin, Valentin Fouquet, Boula Diawara, Marc Gonzalez, Paul Léonard, Diagui Dabo et Frédéric Marquez. Donc voilà pour les joueurs d'Épinal. Alors sur ce début de match, c'est reparti tout de suite là-bas justement avec un ballon qui a tenté d'être trouvé par Sergio Da Silva et ce sera directement en touche. On va voir comment les de Laurent Fournier vont évoluer. Pour le moment, évidemment, ça se cherche beaucoup et on voit le premier ballon aussi d'Épinal là-bas justement sur la droite. Et on va chercher Jérémy Collin, le ballon très bien vu de la part de Da Silva et c'est Jérémy Collin qui peut mettre ce ballon directement en touche. Alors, c'est pas évidemment sans noter qu'on va suivre évidemment ce qui se passe sur les autres terrains de National ce soir avec au programme quand même tous les matchs sauf celui de PFC Dunkerque, car c'est avant Châteauroux, ceux dans le champ de Créteil, et Épinal, évidemment, c'est ici à suivre en direct sur Jour de Sport. Bastia Pau, Consola Béziers, Belfort, Lyon, Ladouchère, Boulogne, Mézerbier, Cuy, Concarneau. Alors, qu'attention à ce pressing là-bas du Ben Alzaoui qui va obliger de mettre la défense d'Épinal
en difficulté, et c'est exactement ce qui se passe avec un dégagement là-bas pour Jérémy Collin jusqu'à Fred Marquez. Fred Marquez qui a tenté de la remettre à Collin, mais c'est sorti et ce sera un bon ballon pour Rodriguez qui va pouvoir avoir une touche. Là pour les Cressolins, puis Grenier qui va le remettre jusqu'à Youssouf Niakate qui est là-bas sur la droite. Il va essayer d'accélérer. Et c'est Deodato bon, qui récupère le cuir avec Joan Paul qui aussi a le cuir là-bas sur la droite. On va essayer de faire tourner du côté de l'US Créteil avec ce long ballon là-bas pour les Cressolins. On va avoir une bonne situation de complète. On va accélérer. Finalement, c'est récupéré par Epinal. Et Fred Marquez là-bas va rentrer sur face et il perd trop vite le ballon. Peut-être le joueur du Pédal. Et les Cristoliens peuvent à nouveau avoir une situation de contre et saisir du ballon. Joanne Paul là-bas sur la gauche. On écarte plutôt très bien justement ce que Youssouf Niakate sur la gauche. Ah, le ballon récupéré et touché par Jérémy Collin. Ce sera une touche pour Créteil. On s'attend forcément à une élimination des Cristoliens. Évidemment, ça fait partie des points positif de Créteil, c'est d'avoir évidemment recruté et continuer à recruter. On sait, durant cet été, il fallait tout reconstruire, évidemment, un petit peu comme a pu faire le PFC, son voisin. Mais en tout cas, on a vu une équipe d'Épinal aussi qui est venue pour faire quelque chose et ils le savent. Ils ont besoin de points, ils ont besoin d'accélérer. Et c'est ce qu'ils vont faire justement là-bas. Le centre là-bas avant la surface. Première occasion chaude pour Épinal. Il y a Fred Marquez qui est dans la surface. C'est l'appel de Jérémy Collin au second poteau. Ça va revenir sur la demi-volée de Collin. Il est complètement raté de son pied gauche. Et ça va être dégagé par la défense cristolienne. Alors à noter, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une pluie qui s'est abattue maintenant depuis une heure ici du Rochelle. Particulièrement désagréable pour en tout cas un début de match. Et pour ce qui est du point météo actuel, c'est que c'est une... maintenant c'est un gros crash. Hein. On va dire ça comme ça, mais alors autant dire que ça glisse comme il faut. Ici du côté du Rochelle, alors j'avais plus l'habitude de voir des grosses glissades des années précédentes et même sur cette saison et toutes les saisons qui sont suivies du côté du Stade Charletti, mais là, vous imaginez bien que faudra bien rester sur ses appuis. De côté, allez, ballon pour Jérémy Collin sur cette belle remise de Fred Marquez. Il va essayer de l'emmener, Fred Marquez, mais c'est récupéré par Da Silva. Il y a Kanga là-bas qui va avoir un ballon. Il lui remet une touche de balle avec Da Silva. On envoie un long ballon et c'est récupéré par Abdoulaye Diawara qui n'arrive pas à l'emmener plus loin et ce sera en touche. Et il s'excuse auprès de Jérémy Collin justement. L'ancien joueur du PFC n'a pas pu là redresser le ballon comme il voulait. On va mettre là-bas un long ballon à nouveau pour les Cristoliens et ce sera une touche. Alors j'ai beaucoup de bons ballons évidemment parce qu'il y en a beaucoup. C'est un petit peu quelque chose qui se trouve énormément en national. On n'est pas sans savoir qu'on a l'habitude de suivre ce championnat. Et à nouveau, c'est touche pour Épinal. Là-bas, on va essayer d'écarter sur la droite, avoir des solutions et pas du tout. Ce sera finalement une faute de Créteil et va permettre aux joueurs d'Épinal de se dégager. Je parlais d'Abdoulaye Diawara, ancien joueur du PSC, ancien joueur du Red Star et ancien joueur du PSG. Alors autant dire qu'il les a écumés, les clubs franciliens, évidemment, s'ils ont passé au PFC pour le capitaine d'Épinal, qui était parti après à Colmar où il a passé deux saisons, il suffit d'une saison au Sabatia et maintenant ici à Épinal. Très connu hein, dans le monde du foot francilien, évidemment, but d'avoir à la tête là-bas, justement. On a tenté de remettre jusqu'à nouveau Jérémy Collin, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est récupéré par Paul Léonard. Il va obtenir la touche quand même. Le joueur d'Épinal, voilà, il va la faire tout de suite. Justement, il remet derrière jusqu'à Daguerre Dabo qui peut remettre avec à nouveau Jérémy Collin. On va trouver une touche de balle, peut-être avoir la solution parce que Valentin Fauquier, mais finalement. Le joueur Spignard va perdre le ballon. Il s'avère un contre rapidement pour Créteil. Le ballon là-bas décalé sur la droite. Il va avoir une bonne situation de compte. Justement, emmené par Kevin Saint-Luc. Ça va sur la droite au centre de Saint-Luc. Ça va dans la surface. Il va avoir une grosse situation. Peut-être position d'or. Position de hors-jeu. On était dans la surface de réparation là-bas pour Créteil. Et finalement, c'est une position de hors-jeu du joueur cristolien. Kanga était là-bas en position de hors-jeu. Alors, je parlais de banc, évidemment, des deux équipes. On a Romain Lejeune, Martin Mimoun. Guassou Sako, Youssouf Touré et Vincent Bartoléméo du côté de Créteil. Là aussi, ça met un beau banc, c'est le cas de le dire, du côté de Créteil, parce que du côté d'Épinal, Olivier Robin, grande expérience hein, d'Olivier Robin. On a quand même parlé d'une petite année de Coupe de France. Alors peut-être là-bas, justement, attention à l'occasion, on voit Paul Léonard va remettre en retrait à son gardien, il va pouvoir dégager du côté espinalien. Je disais Olivier Robin, Johan Bay, Hamza Fakir, Simon Gmebou et Kablan Ngoma pour l'équipe d'Épinal. Et on récupère le ballon quand même du côté d'Épinal. Et on va là-bas écarter sur la gauche, justement, voir une bonne situation pour les Spinaliens. Et finalement, ça va être dégagé par la défense de Créteil. On va voir le ballon, voilà ce qui est fait. Attention, il a pris un bon coup là-bas. Bon, Créteil s'était dégagé par Sébastien Plougrenier. Dans le coup là-bas, qui a pris quand même Joanne Paul. Qui
qui reste au sol. Et du coup, on va avoir les Cristoyens qui peuvent se dégager. Pour ce qui est du peuple, pour ce qui est du public ici du côté du Vauchel, alors c'est pas forcément grandement rempli, évidemment. J'ai vu des stades plus vides en national, quand même. Non, pour une petite expérience IG à jour de sport du national, évidemment, on commence à plus que bien connaître, hein, on va pas vous le cacher. Si on pouvait s'éterniser en Ligue 2, on ne serait pas contre, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais l'opération à monter est quand même lancée de la part des Pistoliens et des Spignaliens. 8 minutes de jeu ici au stade du Vauchel, entre Créteil et Épinal, et 0-0. Vous êtes bien sur le jour de sport. Si jamais vous avez une envie de monter une division, quelques secondes, vous pouvez cliquer sur l'autre lien avec le commentaire Jean-Yves entre Red Star et Laval. En tout cas, ici à du Vauchel, la Pizza est toujours aussi gorgée d'eau et ça va permettre quand même aux joueurs d'Épinal d'avoir une action et d'accélérer. Les Spinaliens là-bas sur la gauche qui vont essayer de sortir Fred Marquez, il est un petit peu seul, il va quand même trouver une touche de balle. Ça colline bien. Et on retrouve justement là-bas Bagui Dabo. Ah, il n'a pas réussi à contrer son ballon. Ça va faire une énorme situation de compte pour Saint-Luz. Saint-Luz qui va tenter de trouver Kanga là-bas, c'est pas fini. On va rester sur la surface pour les Cristoliens et on n'a pas la solution, on s'est dégagé. Par les Spinaliens, dommage, belle occasion, c'est pas fini parce que Fred Marquez va avoir le ballon là-bas sur le droit. Marquez il va bouger de rentrer dans le camp de Créteil, on va jouer une touche de balle, on va essayer de combiner jusqu'à 20 Fonky, mais finalement le ballon est perdu et récupéré par Créteil au niveau de la ligne médiane avec cette touche de Rodriguez et on repasse derrière jusqu'à Daouda Embo pour Johan Paul. Écarte à nouveau sur la droite, on va essayer de combiner, on a une touche de balle, ça joue rapidement, c'est bien vu de la part de côté, c'est pas un match sur un mauvais rythme pour le monde national qu'on voit ici du côté du Vauchel. Et ça va être récupéré à nouveau par les Cristoliens qui vont avoir cette touche. La touche, la balle va être faite justement, elle va être dégagée de là-bas, bien vu par Paul Léonard. Et on va essayer de relancer à nouveau du côté de Créteil. On est revenu dans son camp pendant que l'appui redouble d'intensité, c'est important de noter. Parce qu'évidemment, un élément météo à prendre, donc on colonne du Grenier, c'est raté, c'est récupéré par Marquez. On va avoir dans le milieu de terrain justement avec Dabo. Dabo là-bas qui va avoir la solution là-bas sur la droite pour Léonard. Léonard le contrôle peut-être. Est-ce que c'est trop long? Non, finalement c'est récupéré. Il va pouvoir centrer le centre de Léonard là-bas justement peut-être pour la tête. Hein, Spinalien, c'est repoussé par la défense de Créteil. Il y avait gros danger sur ce bon centre de la part de Léonard et au centre des Cristoliens qui tout d'un coup ont un petit peu de mal sur cette action. Ça a été mal relancé de la part de l'ancien joueur de la JO Saint-Sébastien Pulgrenier et on va essayer de reposer le jeu. Du côté de Créteil, sans prendre de risque. Allez, à nouveau là-bas, un ballon pour Jonathan Rigaille, notre joueur Damien qui n'a pas la solution et ça fera un ballon directement en touche. On va, faire des petits points quand même, évidemment, au cours du match sur cette journée de National, alors que maintenant c'est le vent, autant dire que au niveau des conditions de projecteur, parce qu'avec les lumières on voit une énorme brise, on analyse l'appui comme il faut. Je ne suis pas forcément évident de là, mais je peux vous annoncer que si vous êtes dans le Val-de-Marne, vous pouvez analyser les météos aussi, et que je peux vous donner autour de chez vous, voire plus loin. En attendant, Paul Léonard a le ballon quand même, on essaie de combiner, c'est plus que pas mal, parce que justement Dabo va avoir le ballon pour Épinal, il a trempé des buts, il retrouve un surprise justement, c'est que l'équipe Dabo il va monter, c'est peut-être un ballon, effectivement c'est compliqué, il va qu'il va écarter sur la droite, il va découvrir Colin, contrer ce centre de Jean-Luc Colin, ce sera peut-être un corner que dit M. l'arbitre, et ce sera bien évidemment un corner pour Épinal. On vient de voir deux belles phases de jeu de la part des Spinaliens. 11 minutes de jeu, attention, corner pour Épinal et ça va être le danger sur la cage cristolienne et de Yann Pierre Boriou. Et ce sera un corner tiré par un ancien joueur de Créteil et du PFC, Frédéric Marquez. Allez, Frédéric Marquez pour tirer ce corner là-bas, ça va peut-être donner quelque chose. C'est tiré au premier poteau, finalement c'est dégagé, ça revient en train de surface sur Colin. Hein, il n'a pas pu bien armer sa frappe et c'est finalement contré, touché par Johan Paul, mais il a du mal à se relancer parce que Dabo est bien revenu. Dabo à l'entrée de la surface, ta frappe de Dabo, ça va aller bien au-dessus. Frédéric Marquez se plaint, effectivement, il y avait de la place à droite, il a tiré. Il y a peut-être mieux à faire pour le joueur d'Épinal. Mais en tout cas, 12 minutes de jeu et là, Épinal, ça pose comme avoir l'équipe qui a la plus grosse occasion de ces débuts de match. Ici, du côté du stade de Vauchel, on va se relancer du côté des joueurs cristoliens sans prendre beaucoup de risques. On en profite aussi pour voir un petit peu ce qui se passe sur les autres pelouses et je peux vous dire que déjà, il y a au moins un but, c'est déjà pas mal. On va lancer un petit peu cette journée de National. Le
Même le but est inscrit par Sabatier du côté de Pau. Sur tous les autres pelouses, c'est 0-0. En attendant, PFC Olympia de demain, évidemment, qui sera à suivre en direct, en intégralité, sur Jour de Sport. Effectivement, pas comme on peut le dire autour de moi, les supporters cristiviens, c'est pas un grand début de match de la part de l'US Créteil. Et Pinal est bien en place, Pinal fait ce qu'il faut. Hein. Je pense qu'évidemment, on est dans une opération maintien, cette fois sportive, du côté d'Épinal. Et pour le moment, on arrive à tenir avec le contact là-bas, notamment, encore une fois, de Mbo qui peut relancer la balle pour marquer sur la droite. Il est un petit peu seul. Et puis, bon, il est obligé de revenir. Il y a Valentin Fauqui et Jérémy Collin qui ont réussi à plonger à surface. Voilà, ce ballon va contrer peut-être par Rodriguez. La frappe d'Embo, ça nous contrer une deuxième fois. Et on continue d'accélérer, d'enchaîner du côté des Cristoliens. On va essayer de relancer le ballon et d'avoir la solution. Ce qui n'est pas du tout le cas, et on est obligé de se dégager de manière un petit peu difficile. Et on va peut-être avoir quand même une situation là-bas pour Créteil sur la droite. Justement, on va accélérer avec Youssouf Nekate sur la droite. Il y a du monde qui va plonger à la surface, notamment même Zawi de la tête. Et c'est raté, et c'est capté par le gardien spinalien. Mais belle occasion pour Créteil sur ce coup-là où ce sont Youssouf Nekate au cordeau, était bien vu, plat du pied. Mais El Mzaoui, évidemment, ça n'a pas une grande taille, il n'a pas pu bien rabattre ce ballon de la tête. C'est l'époque où commence à venir les tout gras et les maladies, comme vous pouvez remarquer. Évidemment, vous avez la chance d'avoir maintenant qu'on peut filmer les commentateurs pour peut-être sur l'expression de nos visages un petit peu plus analyser ce qui se passe. Ou alors on est bon comédien. Et des fois, c'est inné chez certains. Notamment chez certains footballeurs aussi. Comme quoi, tout arrive. En tous les cas, là-bas, il y aura un coup franc pour Épinal. On est à 35 mètres des buts de Créteil. Et c'est un coup franc pour les Spignaliens. Avec une faute là-bas sur Valentin Fauqui, justement. Et ça fait un coup franc pour Épinal. On va arriver pile au quart d'heure de jeu. Le club cristolien garni une trentaine de fans ce soir. Est présent. Attention, attention, parce que alors là, il va y avoir une très bonne occasion. Encore une fois, c'est pour Épinal avec ce coup de pied arrêté. Ça va aller dans la surface. Il y a plus d'y avoir avec les montées. Il y a Mike Sestor qui est là aussi. Si c'est bien tiré, il y aura danger. Là-bas, Jean-Marc Sestor, second poteau. Il y a une Carboriou qui a dit j'aime et qui n'a pas pu capter ce ballon parce que ça a été touché par un joueur cristolien qui n'a pas dégagé. Et on n'arrive pas à dégager le ballon du côté de Créteil. Avec Daouda Mbo là-bas, Mbo qui a été un petit peu tout seul. Et finalement, s'est récupéré par Dabo du côté d'Épinal. Et Valentin Fauqui là-bas sur la droite. Attention, et c'est le bon tour justement d'Mbo. Et on va se relancer avec une touche pour Épinal. On met sous pression du côté de Créteil. On met la pression là, de la part des joueurs d'Épinal. Et c'est justement Léonard qui va avoir cette touche. Il va remettre une touche de balle à Colin. Léonard là-bas pour le centre. Là, il y a eu un contact là-bas quand même avec justement Mbo. Et c'est reparti. On n'arrive absolument pas à relancer le ballon du côté de Créteil. C'est assez hallucinant qu'à chaque fois on rend le ballon face au but. Au joueur d'Épinal, le centre à tête de Marquez, ça va frôler la cage, le poteau droit de Yann Carboriou, et là voilà la première grosse occasion aussi pour Épinal. Il y avait eu des situations, mais là c'est une grosse occasion sur ce centre, Marquez coupe au premier poteau, et ça passe à côté des cages de Yann Carboriou, il semblait battu, attention, Créteil, se fait peur sur ce début de match face à Épinal. Elle a la tête peut-être pour Jonathan Gagnin qui peut pas emmener plus ce ballon et ce sera du coup une touche pour Épinal. Et vous savez forcément que quand on commence les arrêts de jeu, un petit peu de s'informer de ce qui se passe sur les autres pelouses, on va aussi évidemment, je vois le faire de son côté, parler de la Ligue 2 et but avant. Je pense à Châteauroux, c'est important de noter que Châteauroux se semble aussi un petit peu en difficulté. Alors aussi demain, hein, grande page PFC, PFC Dunkerque à partir de 14h50 sur Jour de Sport au Stade Charletti. On est sur cette journée du vendredi soir ici en National, parce que je vous rappelle maintenant avec les droits télé décalent, National. Hein. Merci. Cristolien qui a un ballon là-bas, Lamzori qui n'a pas réussi à toucher le ballon, et du coup on va essayer de contrer justement avec
les joueurs d'Épinal qui peuvent se dégager avec Dabo justement qui n'a pas pu ressortir le ballon. C'est Valentin Faux qui vit un petit peu seul et on a le pressing haut. On a le pressing haut justement avec le chauffeur Kanté, c'est très bien vu. Il va avoir le ballon, le tac là-bas, ça va passer. Il va avoir du moins surface, ça va être une grosse occasion pour Créteil. Le centre, enfin la surface, mais quel mauvais choix là-bas. Quel mauvais choix justement de Youssouf Tékété. Il y avait mieux à faire là-bas sur cette action et le retour de position d'hors-jeu derrière de Fred Marquez. Il n'a rien gagné au niveau de la ligne médiane et du coup, ça va permettre quand même à Créteil d'avoir le ballon. Mais une fois qu'on a pressé les joueurs d'Épinal, on les a mis en grand danger du côté de Créteil. Et là aussi, une différence peut se faire, même si dans le championnat de Créteil, il y a beaucoup de mal. On va voir que c'est une équipe qui a quand même des qualités offensives importantes. Évidemment, il y a juste les joueurs sur le banc, mais c'est pas tout. C'est le cas de Tonga, c'est le cas de Saint-Luc, c'est le cas d'El Hamzaoui, un BL Hamzaoui qui sort de très belle saison à Dunkerque. Créteil a en tout cas beaucoup de qualité. Jeanne Paul qui perd le ballon là-bas, attention parce que Jérémy Collin peut le récupérer avec Fred Marquez qui a remis une touche de balle à Jérémy Collin, mais il est un petit peu seul, même ici à Fred Marquez, et puis Grenier va contrer ce ballon. Et là-bas justement, on va essayer d'avoir à nouveau le dernier mot du côté des Spinaliens avec Abou Diawara qui met, on remet en retrait et on va pouvoir se dégager. Et dégagement un petit peu raté quand même de la part d'Empassi. Et du coup, Rodriguez va avoir le bénéfice de la touche devant le banc de Laurent Fournier. La pluie un petit peu, c'est un petit peu calmé. C'est toujours un petit point météo. Alors, on va faire une fausse touche. Et du coup, ce sera un ballon pour Épinal. Et oui, une fois qu'on fait une fausse touche, alors pour les règles précises de fausse touche, il ne faut pas décoller les talons du sol. Il faut être le corps bien droit et pas dépasser la ligne, évidemment, sinon c'est touché à l'adversaire. Et là, c'est strict, pas toujours appliqué, mais en tout cas, il a été évidemment bien appliqué par monsieur l'arbitre. Et c'est bien. Alors que là, cette fois, ce sera une touche pour Épinal à nouveau, mais du côté de son banc, donc dans le camp cristolien. Allez, la touche justement est faite par les joueurs d'Épinal qui vont essayer un petit peu de se dégager vers l'avant pour ne pas être exposé au contre de Créteil. Et cette fois, la touche sera récupérée par les cristoliens. Avec la touche faite par les joueurs cristoliens qui vont pouvoir écarter là-bas. C'est fait par Johan Paul jusqu'à Jonathan Régaïen pour Youssouf Tékété avec un nouveau Régaïen. Et une fois qu'on accélère comme il le fait justement, l'arrière-droit cristolien, c'est plutôt rapide. Le problème, c'est que derrière, on va repasser. Il faut trouver les solutions. Et là, c'est moins le cas parce que justement, on perd le ballon à ce niveau-là du côté de Créteil. Et on revient derrière avec ce ballon dégagé qui va aller dans la boîte. La tête justement, Antoine Fouki pour Fred Marquez. Fred Marquez, c'est tenté de but. Il est face à Bassan Plugrenier. Il est un petit peu seul. Il va essayer de travailler. Décalage sur droite pour Xavier Collin. Jérémy Collin. Jérémy Collin, c'est l'entraîneur. Jérémy Collin peut en cacher un autre. On va dire ça comme ça. Alors que là-bas, justement, Jérémy Collin va récupérer le ballon et pouvoir centrer peut-être. Il a l'offre surface au centre. Jérémy Collin, là-bas, la tête. Au second poteau, ça revient sur Valentin Fouki dans la surface. Qui n'a pas la solution, Valentin Fouki. Et qui repasse arrière. On va avoir un centre où il y a un grand danger sur la défense de Créteil et on peut être dégagé par Joanne Paul. Enfin, et souffler un petit peu du côté de Créteil. Touche pour Épinal dans le camp. Cristolien, c'est pas fini, on récupère un nouveau cuir, on est bien du côté des finales, on est beaucoup mieux là sur ce genre de ballon, justement avec Fred Marquez en la surface, donc on s'est contré. Donc peut-être un petit peu de réussite offensive, et bon, justement des finales, il est resté en surface, il est blessé dans cette surface cristolienne. Et on va un petit peu souffler. Ici, entre Créteil. Épinal, pour moi, allez, on va faire encore un petit peu, on va voir s'il se passe des choses sur les autres pelouses, parce que là, on profite de ce petit temps d'arrêt ici. À Créteil, voilà, qu'est-ce qu'on prend le ballon, Ayane Kerbru, alors, moi j'avais dit lui d'avant, je pensais que le Châteauroux. Du côté la branche, donc voilà, c'est plutôt bon pour Château. Il faut le voir comme ça. Allez, avec la touche justement pour Créteil, là cette fois elle est dans le camp d'Épinal et va avoir une possibilité de faire mal au joueur d'Épinal et pourquoi pas voir le score. Il n'y a pas vraiment de grosse occasion par cette tête d'El Hamzaoui, sinon. Une situation par Jonathan Régaïen qui était entré dans la surface, mais sinon, c'est
c'est mort du professionnel du côté de Créteil sur ce début de match. Allez, avec justement Alain Fabry qui peut repasser derrière et qui remet à Pigrogne et qui remet jusqu'à Mbo. On va essayer de faire tourner un petit peu du côté de Créteil. Et à pas avoir de solution. Et voilà, c'est bien Rousseff avec Alain Fabry qui peut dégager là-bas. Il s'est repris par Paul Léonard. Il a voulu remettre en retrait, mais il a raté. Ça passe. Du coup, le ballon restait collé à la chaussure, peut-être un peu avec humidité. Et ça a permis aux joueurs de Épinal de se dégager. Et c'est très bien de part de Gas qui a remis la tête en arrière pour Johan Paul. Il va continuer d'accélérer et de centrer là-bas, mais on est un petit peu loin des cages, forcément, des Spinaliens. Et on récupère le ballon du côté d'Épinal rapidement. On va essayer de se projeter de Varlon. Voilà qui est fait, justement, avec des joueurs Spinaliens qui peuvent se dégager. Avec le ballon là-bas piqué, peut-être pour Valentin Flocky, mais c'est beaucoup trop long. Marquez avait l'air de dire plutôt dans les pieds, c'est mieux. C'est vrai que c'est pas, j'ai parlé de la taille, mais c'est pas vraiment le point fort des joueurs d'Épinal. Avec Rodriguez là-bas sur la gauche qui prend le ballon, on va essayer d'écarter et finalement c'est récupéré par Abdoulaye Diawara qui peut remettre derrière. On va essayer de pousser un petit peu Marc Gonzalez. Qui récupère le cuir. Cette fois, j'allais dire la pluie, non. Mais dès qu'il y a le grand éclairage de Dubochel, nous rappelle qu'il pleut toujours sur cette pelouse de Dubochel. Et là, on essaie de garder la possession du côté d'Épinal. Et on va essayer de remonter le ballon, peut-être avoir un bloc équipe un petit peu plus haut. Alors, je parlais du bloc équipe, mais il est très écarté du côté de Créteil. Alors, on voit sur ces phases de jeu. Épinal a le ballon et c'est des Crissoliens derrière où on essaye le pressing, mais là on se tient un petit peu parce qu'évidemment physiquement c'est difficile. Ah, il y a Mbo qui va gagner sur la tête, on va récupérer le ballon, c'est bien mis en place du côté de Créteil. Il suffit que ça peut-être pour qu'il perde le ballon. Non, finalement c'est quand même récupéré par Youssouf Kakata sur la droite en bas qui va essayer de conserver le cuir. Le joueur Cristolien, il n'a pas de solution, alors il va repasser. Derrière, à Johan Paul, au niveau du rond central, et on n'a pas d'idée, forcément, peut-être si Johan Paul va permettre d'ouvrir un ballon piqué là-bas sur la droite, ça ne donnera rien, et ça va être récupéré par les joueurs d'Épinal, avec justement Fred Marquez pour Valentin Fauqui, il n'a pas la solution, Valentin Fauqui, si finalement il va repasser derrière, peut-être au piqué une touche de balle avec Gonzalez, pour dans la profondeur, Fred Marquez, mais qui perd le ballon, et récupéré par Yann Gerboriou. 25 minutes de jeu, ici. Du stade de Montpellier et 0-0 entre Créteil et Épinal. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas un match absolument incroyable, même si on voit quand même une équipe d'Épinal assez intelligente sur le plan tactique et qui sait ce qu'il veut faire et qui, pour le moment, aux occasions, mène quand même une situation un peu plus intéressante que Créteil. Alors, est-ce que c'est inquiétant? Alors, le championnat est long, évidemment. On a vu Créteil déjà en difficulté quelques fois, comme là, justement, avec Rodriguez qui a perdu le ballon et ça va être récupéré par les joueurs d'Épinal avec Dabo là-bas en touche de ballon. Il s'est décombiné, Fred Marquez a perdu le ballon et finalement, c'est récupéré par Sébastien Pugrenier. D'avancer un petit peu, d'avoir des idées du côté de Créteil. Ça marche pas sur ce genre d'action si finalement quand même là-bas justement Kanga qui va avoir un ballon, Kanga il peut ouvrir là-bas sur la droite jusqu'à Nikate, position de hors-jeu, c'était même régalien je crois, position de hors-jeu et du coup Pinel va récupérer le cuir et pouvoir un petit peu écarter ce qui est fait avec justement Abdoulaye Diawara. Il va essayer d'avoir le ballon, là-bas, qui n'a rien donné, tourne toujours le ballon, voilà, qui fait Fred Marquez, il va pouvoir écarter là-bas sur la droite, justement jusqu'à Paul Léonard, mais il n'y a pas de rond en surface, c'est peut-être le centre de Léonard, oh là là, du mal à la remettre en arrière au niveau du point de pénalty, et finalement, les Cristoliens vont pouvoir à nouveau repartir, mais ils perdent à nouveau trop vite le ballon, ils le perdent beaucoup trop vite, et forcément, derrière, il y a une faute d'un Cristolien au niveau des 40 mètres, face au but de Yann Carboriou, une faute sur Anis Hale. Qui va offrir un coup franc à Épinal. Alors il est un petit peu loin peut-être pour être direct, mais pourquoi pas le mettre dans la boîte. Déjà 40 mètres, voilà. Peut-être jouer Minesque. On va dire ça comme ça. Ce serait jouer Minesque, mais ouais, ils vont le mettre dans la boîte. Ils vont le mettre dans la boîte, les joueurs d'Épinal, et ça peut encore une opportunité de arrêter pour que le gars reste quand même du côté de Créteil. Devant, alors cette fois Diawara
et Gonzalez ne sont pas montés sur cette action. Allez, avec le ballon jaune piqué par Fred Marquez, là-bas sur Léonard, il va perdre son la tête. Alors, ça va pas sortir en corner parce qu'on va réussir à récupérer le ballon du côté de ballon par Fauqui. Le sort de Fauqui là-bas. Il va avoir du monde la tête qui va passer au second poteau. Elle est au-dessus des cages de Yann Carboriou. Mais là encore, il y avait grand danger sur la cage de Yann Carboriou sur cette action. Donc, moi, c'est un souvenir qui. Il essaye de parler un petit peu à ses coéquipiers, attention, on s'est un petit peu gêné du côté des pénales là aussi sur cette action. Mais c'est toujours Épinal qui est mieux dans ce match. C'est toujours Épinal et on voit Laurent Fournier un petit peu se récasser sur son banc, forcément. Encore un ballon perdu sur ce 6 mètres de la part des joueurs de Créteil. Attention à ce ballon là-bas justement pour Colin qui n'a pas pu le pousser plus loin. Ça a été occupé par Fred Marquez. Le ballon, c'est un petit peu mal à la main dans ce duel, justement avec Cyril Mandzou qui évidemment, ça va être récupéré par les joueurs de Créteil quand même qui arrive à avoir le ballon. Donc Cyril Mandzou qui n'a pas pu quand même le pousser plus loin. Lambeau qui récupère le cuir. Avec ce long ballon. Rien que ça touche là-bas, fait par les joueurs d'Épinal. Il va rester encadré dans cette première mi-temps. Je pense que pour le moment, Épinal fait ce qu'il faut. Il ne souffre pas, même si sur les accélérations de Créteil, c'était difficile. La bonne passe à Boudiawara là-bas, il a essayé de trouver justement. Jérémy Collin, mais il n'y a pas eu de faute sur ce duel. Là-bas derrière, il y aurait une faute d'un joueur d'Épinal. Sur Chifnekaté, et ça va permettre à Créteil d'un petit peu souffler. Mais on perd trop vite le ballon, on perd le ballon face au but, aux 30 mètres. Ça a été au moins arrivé 4-5 fois du côté de Créteil. Et ça ne les a pas vraiment aidés sur ce début de match. Allez, Rodriguez là-bas qui va aller à long ballon. C'est par Boulaye Diawara qui va récupérer le cuir justement jusqu'à Dabo. Dabo là-bas, le ballon de Dabo pour Valentin Fauqui. Et Valentin Fauqui est face à Sébastien Pogne. Il va accélérer. Valentin Fauqui, il va essayer de trouver la solution. Il a pas, il a monté très marqué. C'est la bonne pour qui? Non, finalement, c'est pour Jérémy Collin sur sa droite. En position de centre, il va se mettre sur son pied gauche. Jérémy Collin, il remet derrière quand même avec Dabo. Et on va repartir très loin derrière jusqu'à Paul Léonard. Mais en tous les cas, on a gardé le cuir. Boulaye Diawara va essayer dans un long ballon pour remettre le danger là-bas. Fred Marquez, peut-être en plus de leur jeu. Bah, leur jeu, malgré qu'ils soient arrivés sur la droite, parce que c'est un joueur de Créteil qui a touché le ballon en dernier. C'est bien vu, Cyril Mandzou qui avait touché ce ballon, il me semble bien. Du coup, Fred Marquez n'était pas en position de leur jeu parce qu'on n'est pas du ballon d'un coup. Il ne me semblait pas qu'il était. C'est mon analyse, je suis dans la position de l'arbitre assistant. Il semble avoir raté un petit peu son tir derrière, même si ça avait été sifflé en position de hors jeu. Attention, c'est là encore, on va le dire. J'ai envie de dire que là, il y a un danger, on le sent sur la cage de Créteil. En tout cas, j'avais dit aussi en position offensive, ils arrivent à se mettre dans le jeu jusqu'à Farnanga, la fin de Kanga. Là-bas, ce sera contré et ce sera un corner peut-être. Oui, ce sera un corner. Parce qu'elle passe, elle n'a pas pu la sauver. Corner pour l'US Créteil et c'est la Mzabi qui va le tirer. Pourquoi pas amener un but, pourquoi pas un petit peu au cours du jeu, amener un but justement pour. Pour les Cristoliens. Allez, Hamzaoui qui va le tirer. Il y a la montée de Rigaïn peut-être. Ah bah ça va, c'est Valentin Fauqui qui l'a bien vu. Il va pouvoir se remettre le centre de Hamzaoui. Et c'est dégagé de deux points, justement par le gardien spinalien. Mais ça va revenir une deuxième fois sur Hamzaoui, l'ancien d'un Carquois. Le centre au cordeau, c'est capté par Mpassi qui peut avoir ce ballon. Mpassi et Mboka pour le nom d'entrée qui va relancer sur Paul Léonard avec Dabo pour Abdoulaye Diawara qui va contrôler ce ballon. On va essayer de relancer, c'est fait avec Paul Léonard là-bas, contrôle orienté, mais finalement ça mènera rien parce qu'il y a le très bon dressing justement de Kevin Saint-Luce et on compte sur le cuir sans s'affoler du côté d'Épinal. Voyez un long ballon là-bas, justement Fred Marquez qui a redécroché, qui va essayer d'accélérer la balle. Fred Marquez peut être en profondeur pour Valentin Fauqui et il y a le bon retour de Mbo, mais tu viens Fauqui est signé en plus sur le hors-jeu.
J'étais pas vraiment sûr non plus de cette position d'hors-jeu là, mais bon, en tous les cas, il y a une position d'hors-jeu, on va profiter justement pour aussi aller voir un petit peu sur les autres terrains. Je suis pas seul au tournoi à pas avoir toujours les positions d'hors-jeu. Mais bon, c'est possible. C'est possible, évidemment. Alors, vous avez remarqué que j'ai mis quand même le petit pull, évidemment, parce que bah, pour le moment, il fait pas très très chaud ici avec cette position du côté du Duvauchel. Pendant qu'il y a encore un ballon perdu, évidemment, pour les joueurs de Créteil au milieu de terrain. Et on va pas lâcher le ballon, justement, avec Samuel Guibert. Ça va être un peu décalé sur la gauche. Valentin Fauqui va se mettre sur son coup droit, le centre de Fauqui. Au second poteau, mais il n'y a personne à part Yann Carborio. Dommage, encore cette action un petit peu gâchée de la part des joueurs d'Épinal qui rongent un petit peu quand même sur cette première mi-temps et tu perds tout le ballon et arrive à avoir la possession. En tous les cas, pour les autres buts, c'est Marseille contre la Kimi du Coup de Béziers et le Sabassa qui mène 2-0 face à Pau. Il y a de bons résultats et des résultats intéressants aussi, que ce soit pour Créteil ou Épinal. Épinal qui est dernier du côté du Vauchel. Si les résultats restent là, je recommanderais fortement au PFC de gagner et à l'Inter évidemment demain, mais également à Créteil, même si la saison est finie, évidemment. Allez, avec le 6 mètres justement pour les joueurs d'Épinal, on a toujours du mal à amener le ballon du côté de Créteil devant la cage d'Épinal. Justement, Mbouka est passif, ça va être touché de la tête par les Cristoliens, récupéré par Abdoulaye Diawara avec Paul Léonard. Cyril Bondouki, justement avec Joseph Nakat et la main en profondeur, et c'est bien défendu. C'est bien été couvert, mais ça n'a pas été très bien donné. C'est un peu plus Abyss qui a pu récupérer le ballon, et on va se dégager du côté d'Épinal, et on va pas retrouver ce ballon. Et peut-être que Créteil, sur ces 10 dernières minutes de première mi-temps, peut essayer de faire quelque chose. On va s'en apercevoir rapidement avec Dabo là-bas qui n'a pas la solution, et qui est récupéré par Créteil quand même. Qui va avoir le cul, on remet derrière jusqu'à Mbo pour Carborio, on va pas prendre de risque. Et il va la récupérer pour lancer tout doucement tranquillement jusqu'à Sébastien Plugrenier sur sa gauche. Johan Paul devant lui. Avec Mbo. Avec Bilal Hamzaoui là-bas, il va faire son crochet justement. Bilal Hamzaoui, il va décaler là-bas sur la droite, il va essayer de trouver une solution. C'est le cas pour peut-être John Paul, il l'a vu dans l'axe. Voilà qui a bien décroché, remis touche de balle pour Bilal Hamzaoui, le long ballon d'El Hamzaoui là-bas. Peut-être justement, et non, finalement ce sera capté, ça a été très très bien donné. Et récupéré par l'équipe de finale, El Hamzaoui qui était sur les tablettes et qui a été aussi contacté par le PFC en début de saison, qui a finalement signé à Créteil. Et on aura probablement d'ailleurs un débat aussi demain autour des PFC Dunkerque. Au niveau des gardiens, on en reparlera. Ça a été quelque chose qui s'est aussi vu du côté de Créteil du saison précédente. Après là, on voit Laurent Fournier qui importe ses joueurs de fixer un pressing un peu plus important sur le porteur du ballon, alors que là, le ballon était mal contrôlé par l'équipe de l'autre côté et ça va être récupéré par les Cristoliens avec Johan Paul. Pas de solution. Et on se parle du niveau d'Épinal, je trouve collectivement pas mal. Il manque quand même un petit peu quelque chose offensivement pour les joueurs d'Épinal. Alors que j'ai ça peut-être pour ce long ballon là-bas, pour Kevin Saint-Louis, on va pas prendre de risque du côté du gardien et dégager ce ballon parce qu'il y avait de la pression sur la cage des joueurs de Créteil. Allez, on accélère du côté de Créteil, on touche le ballon. Justement, c'est très bien d'apparaître sur le côté de Rigaillon là-bas sur la droite, mais finalement c'est perdu. Attention, situation de problème parce qu'Épinal va en avoir aussi. Et c'est exactement ce que va apporter Dabo là-bas sur la gauche. Il est un petit peu seul, il va essayer d'écarter le ballon jusqu'à Valentin Fauqui qui va repiquer vers son but parce qu'il n'a pas la solution, il va se mettre sur son pied droit. Il va trouver du jeu Alfred Marquez pour un nouveau Dabo là-bas derrière. Peut-être la frappe de Dabo, il va faire le crochet et on va repasser, essayer de construire un petit peu du côté des finales. Donc tout ça, dans le coin de Créteil, on s'en sort bien. On arrive à garder le cœur tout simplement du côté des finales. Et on relance le cuir qui fait son prendre de risque.
Fred Marquez. Bon, ajoute, bah, il redécroche, hein, Fred Marquez, pour lui offrir des solutions contre le choc cristolien, voilà, qui est fait. On est toujours allé être ici là-bas pour Valentin Fokir, là-bas sur la gauche. Il va centrer Valentin Fokir, il revient à la surface peut-être pour Fred Marquez. Ça va être une grosse situation. Être ici, ça va être un corner, ça va être un corner. On est pris dans la surface, mais c'est bien vu cette action depuis le départ. Il doit y avoir le décrochage de Fred Marquez. On est là-bas pour être ici, qui trouve Fred Marquez en touche de balle, mais grosse occasion à nouveau pour Épinal ou situation. Et derrière, un corner pour Épinal qui va tirer Frédéric Marquez. De Diawara, pas dans la surface sur cette action. 38 minutes de jeu, corner pour Épinal ici à New Rochelle, que va tirer Fred Marquez justement, l'ancien cristolien, c'est bien tiré là-bas, touché par Pierre Boriou, ça revient au point de pénalty, c'est dégagé. Attention à la frappe de Jérémy Collin, c'est touché par un joueur d'Épinal et derrière il se rate un petit peu sur son plat du pied, Samuel Guibert. Ce sera une sortie de but pour les joueurs de Créteil. Il va plus rester forcément bien longtemps dans cette première mi-temps et Sébastien Poirier va pouvoir se dégager. Allez, avec les Cristolins, avec qui peuvent écarter et avoir une solution à nouveau peut-être là-bas. C'est ce qu'il a fait là-bas sur la droite. Il s'est perdu, ce sera une touche pour Béziers. Final. Béziers, c'est eux qui sont menés face à Marseille. Qu'on soit là 2-0. C'est pour ça que j'ai émis l'hypothèse que la touche était pour Béziers, mais elle est bien évidemment pour Épinal. Il n'y a pas trois équipes sur le terrain, je vous rassure. Consola qui mène donc 2-0 face à Béziers du côté du stade de la Martine. On récupère à nous par les joueurs de Créteil. Et ce sera touché finalement si quand même par Jérémy Collin. Jusqu'à Joël Paul derrière, il n'y a pas de solution. Joël Paul, si le ballon est peut-être là-bas, prend une touche de balle, et ça va être récupéré. Faut on va les jouer rapidement avec Rodriguez là-bas sur la gauche. Il va tenter de centrer, il va trouver justement Kanga sur la gauche. C'est un petit peu difficile, finalement, c'est bien revu par Paul Léonard qui va obtenir le 6 mètres en se dégageant. Moi, tu vois toujours Laurent Fournier, autant parler à son nom et bouger sur le banc des remplaçants. Reprise du ballon et on fait toujours ces 6 mètres à la cour de la part des joueurs d'Épinal. Là, on va peut-être au pressing devoir se dégager. Voilà, qui est fait par Gardien Buspinal. Il y a un voir duel entre Rodriguez et Jérémy Collin de la tête. Et ça va être touché par Rodriguez. Attention, ce ballon en retrait parce qu'Embo va être en difficulté avec le pressing de Valentin Fokir. Embo, il est un petit peu seul, va être en difficulté. Il va quand même bien relancer jusqu'à Rodriguez. Donc le pressing de Valentin Fokir est toujours aussi efficace. Et un joueur d'Épinal est resté au sol. Là, juste devant son banc. C'est Jérémy Collin qui est resté au sol. Paul Léonard, je voudrais juste un des joueurs d'Épinal se retourne pendant qu'on se ravitaille. C'est bien Jérémy Collin qui est au sol. Bah forcément, ça fait une pause. Je m'étouffe, je m'en étouffe, pardon. Excusez-moi évidemment, comme je disais, voilà, c'est le national, on en fait presque des allergies. Peut-être pas moi, certainement, parce que c'est vrai que l'expérience, pour le coup, est bien présente au national. Alors, je vous parlais des autres bulles, ça va se mettre de zéro. Face à Pau, je dévoile Béziers pour tout ce soir. Consola 2-0, donc face à Béziers et Château 2-0 avant, Chaux en Chambre 0-0. Belfort, Lyon, La Duchère 0-0. Boulogne, Les Herbiers 0-0. Et Queville, Concarneau 0-0. Je ne sais pas si vous voulez suivre la Ligue 2, c'est sur le 3e jour de sport entre le Red Star et Laval. Allez, le ballon récupéré par les joueurs d'Épinal, justement, qui vont pouvoir écarter là-bas sur la gauche. Voilà qui est fait pour Colin, se fait toujours soigner sur le bord du terrain. Et on va essayer d'accélérer, on va trouver une touche de balle. Peut-être y avoir le retour de Joan Paul pour empêcher ce centre. Et très bien, le tacle de Joan Paul. Alors que, évidemment, il y a là un petit peu Samuel Guibert. On pensait qu'il y avait mieux à faire sur cette action. On va le croire, mais là, on a une touche de balle. On essaie de trouver rapidement la solution et d'avoir
des possibilités du côté d'Épinal. 42 minutes de jeu, toujours 0-0 ici à Dubochel entre Créteil et Épinal. Allez, ballon pour Fred Marcassi, la balle en surface. Fred Marcassi, il est tout seul un petit peu, il va essayer de se défaire de Mbo. La balle en surface, la frappe de Valentin Fauquet, elle est contrée, ça revient justement une deuxième fois sur Dabo et ça va aller bien au-dessus. Mais encore une belle situation pour Épinal là-bas. Et Cabreau va pouvoir se dégager, mais un petit peu inquiet ici dans les tribunes et dans les travées du stade du Rochel parce qu'Épinal est quand même mieux sur ce début de match. Ça se sent. Ça se sent que c'est Épinal qui est mieux dans le jeu. Et la tête là-bas, justement, on va récupérer un début de culture du côté d'Épinal, on ne prend aucun risque. Et ça marche, on est bien organisé collectivement. Allez, avec le ballon pour les joueurs d'Épinal. Qui vont écarter là-bas sur la gauche. Et ici là-bas qui va tenter de trouver. Ou le très bon retour de Jonathan Régaillen. On va faire le changement du côté d'Épinal. Donc ça semble peut-être être servi pour Jérémy Collin qui a dû se faire mal. C'est Johan Maï qui va rentrer. Le faute a été signalé d'un joueur d'Épinal sur Yusuf Nekazé. Et changement donc pour Épinal. Qui est resté au sol, qui va sortir et qui est forcément déçu. Et on se voit, c'est sorti en boitant. Allez, le premier changement pour le SAS Épinal avec la sortie du numéro 8, Jerry Colin, remplacé par le numéro 17, Johan Fagia. Et la touche allait pour Créteil. Alors, on va peut-être avoir quand même une ou deux minutes, au moins une minute, je pense, de temps additionnel avec le changement et quelques faits de jeu. Alors, là-bas pour Fred Marquez qui va avoir le ballon là-bas sur la gauche. Allez, justement, Fred Marquez qui récupère au 30 mètres, qui va tenter de la remettre pour. Là-bas d'Abo, mais c'est un petit peu compliqué. Ça a forcément été touché par les Christoliens qui vont jouer rapidement une touche de balle et ont trouvé la solution. Et le très bon tag là-bas, justement, de la part de Max Sestor. Et du coup, on récupère le ballon et on est très solidaire. On le voit sur le terrain de la part des joueurs d'Épinal qui arrivent à être vraiment bien en place. Et on va aller sur les accélérations pour Créteil. Des joueurs de qualité, un effectif assez intéressant pour la nationale, en tout cas, et les joueurs d'Épinal qui sont collectivement quand même meilleurs et bien en place, je le redis, hein, vraiment, bon, ils dominent quand même globalement cette première mi-temps. Ça peut paraître un petit peu surprenant de dire ça, mais c'est bien le cas. Épinal fait son match et montre que sur ça, ils peuvent quand même aller chercher. Ah ben tiens, celui de ça peut-être là-bas pour un ballon, il y a une faute sur Marc Gonzalez. Et on récupère le ballon du côté de Créteil alors qu'on est entré d'Épinal, pardon, alors qu'on est entré dans le temps additionnel ici à Dubochel. Le score est toujours de 0-0. Je vais peut-être se diriger par la buvette parce qu'il ne devrait peut-être pas. Ça paraît pas se passer quelque chose, suffit que ça quand même bien de pouvoir mettre le ballon de l'autre côté du terrain. Avec cette faute, il était dans son camp, le ballon qui est justement sur la droite. Et non, ce sera bien la mi-temps ici à Dubochel. Quelques sortent au travé. Nous, on va se retrouver dans quelques instants après une petite pause ici à la mi-temps entre Créteil et Épinal. Le score est toujours 2-0. À tout de suite.
de retour ici au stade de Mille de Rochelle, où le score est toujours 2-0 entre US Créteil et Épinal. Alors on va faire aussi une petite point sur les autres pelouses de National. Évidemment, notre point après mi-temps, même si vous en doutez, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Évidemment, Châteauroux mène 1-0 à Avranches, Sedan Chambly 0-0, le CA Bastia mène 2-0 face à Pau, Consola mène 2-0 face à Béziers, Belfort, Lyon-la-Duchère 0-0, Boulogne mène 1-0 face aux Herbiers, Quevirou en Concarneau 0-0, en Ligue de Bourg-en-Bresse, Le Havre 1 partout, Clermont-Lens 0-0, Orléans mène 1-0 face à Strasbourg, Sochaux est mené sur sa pelouse par un 5-0, Nîmes mène 2-1 à Tours, Niort mène 1-0 à 3, et Valenciennes mène 0 face à Ajaccio. Et sur l'autre lien, vous pouvez suivre avec Julien Gachou le commentaire, Red Star Laval, où le score est 2-0 avec un Laval réduit à 10. L'expulsion de Monfray à la 25e. Donc voilà, il se passe évidemment beaucoup de choses sur les pelouses des nationales de Ligue 2, et donc forcément sur les antennes de le jour de sport. Prendre en compte cette seconde mi-temps de Créteil-Épinal où le score est toujours 2-0. Ici au stade Dominique Duvauchel. On n'a pas vraiment vu comment des joueurs de Créteil réussir à amener loin le ballon et essayer de continuer. Et pour moi, c'est le cas, justement, avec les Cristonnats qui vont récupérer le ballon. Jonathan Régaille, hein, qui va avoir le cuir là-bas sur la droite et qui va pouvoir faire sa touche. Le joueur de Créteil, ancien de Luçon et d'Amiens, qui essaye d'avoir le cuir et on va pouvoir repartir de l'arrière avec Sébastien Plugrenet. Ouais, c'est pas un moment donné. Fred Marquez va avoir le cœur justement. Est-ce qu'Épinal va pouvoir confirmer sa très bonne première mi-temps? C'est aussi récupéré par personne. Si, par des joueurs de Créteil qui vont pouvoir se dégager, ce serait une touche pour Épinal. Allez, avec le ballon là-bas, justement récupéré par Dabo. Dabo, il n'a pas la solution. Par Johan Bay qui a remplacé, je rappelle, Jérémy Collin. Fin de première mi-temps. Allez, pourquoi pas ce centre justement de Johan Bay. Oula, c'est parti au second poteau, ça passe devant tout le monde, c'est pas sorti et ça a été récupéré au second poteau par les Spinaliens. Avec là-bas justement, on va essayer de combiner, c'est exactement ce qu'a fait Idi là-bas. Et bon, c'est bien récupéré la part de Régaillien qui peut avoir le ballon. Mais on perd trop vite à nouveau du côté de Créteil, on le perd à chaque fois beaucoup trop vite le ballon du côté cristolien et c'est récupéré justement. Par Dabo, là-bas pour Yann Bay dans l'entrée à la surface. Yann Bay, il est un petit peu seul. La frappe de Bay, il se retourne et c'est capté par Yann Carboriou. Ce maillot orange fluo qui va pouvoir se dégager. Il va faire une possibilité de dégagement. Il n'y a forcément pas de 6 mètres. Il va pousser son ballon, Maxime Yann Carboriou, pour le dégager. Ah, peut-être le ballon là-bas, bon, soutien caté la surface, le très bon retour, c'est pas fini. Côté cristaudien, on va pouvoir un ballon, ça part sur un bon rythme, ce début de seconde mi-temps ici du côté du stade du Vauchel. Touché finalement à part Abdou Diawara qui va pouvoir se dégager. Et, oh là, la grosse faute. Oh, la grosse faute de Johan Paul. Il va prendre un carton, Johan Paul, quand même. Sur cette action, il s'est fait mal quand même au duel avec SM Ribert sur cette action. Permettre aux joueurs de Pinal de se dégager. À la Bula Diawara pour dégager le ballon. Là-bas, le long ballon d'Abdou Diawara est touché de la tête. On part. Des joueurs cristoliens, voilà, qui est fait. Justement, on va récupérer le ballon avec le centre justement de Marquez. Oh, attention à ce ballon d'Embo là-bas, qui est repris du pied. Et Carboriou va pouvoir se dégager.
On essaie peut-être d'apporter un peu plus de danger à défaut de moins confiance du côté d'Épinal sur 7 secondes de temps. Allez, ballon récupéré par le gardien. Spinelli, on va pouvoir se dégager. Allez, on va justement, c'est mal récupéré. C'est bien récupéré par Youssouf Nikaté. Par contre, Kibi a su pouvoir faire quelque chose du cuir et on va essayer de se dégager, se remettre le ballon. On touche le ballon et on ressort bien proprement le ballon du côté d'Épinal. Attention, attention justement là-bas à cette action parce que c'est compliqué ce qu'a fait Mike Sestor. Il s'en sort tout seul à nouveau. Ah, il décide qu'il peut réussir sa forme de corps. Il faut peut-être faire plus attention. On est plus agressif sur le ballon du côté de Créteil sur ces actions-là et on va faire faute. Joan Paul, attention, il a déjà un carton jaune du capitaine Cristolien. Il va avoir le ballon. On va faire grand chose, il n'y a rien jusqu'à Boulay Diawara. On a vu Diawara récupérer la vie de cœur du côté cristolien. Justement, on va essayer d'exploser rapidement. On sait exactement ce que fait Kevin Samus là-bas. Et il va perdre à nouveau trop vite le cuir. On essaie d'être explosif devant lui, mais après, derrière, c'est difficile. Elle va nous piquer là-bas justement pour Valentin Fauqui en position de hors-jeu. Le joueur spinalien et Cristolien vont pouvoir se dégager. Avec ça, c'est un peu grenier. 52 minutes de jeu ici à Duvauchel. 0-0 entre Créteil et Épinal. On vous rassure, évidemment, bien sûr. Jour de sport avec là-bas, Joan Paul qui va pouvoir écarter jusqu'à Jonathan Gregaïen qui va réussir son contrôle. Et il va essayer de le faire tout seul, voilà, travailler pour pouvoir écarter. Ça ne va rien. Ça va récupérer les joueurs de Créteil qui va être perdu rapidement par Ryan. Le ballon s'est perdu un petit peu par Sam Guibert qui va essayer de pressing face à Joan Paul. Malex, par exemple, Joan Paul peut le remettre derrière pour Sébastien Plugrenier. Sérieux, derrière, à nouveau, on essaye de jouer tout seul, entre le balle, voilà qui est fait pour Abiel Zawi sur la gauche, il va se retourner, il va essayer d'être seul, il a derrière lui justement Rodriguez qui repasse pour rejoindre Paul, on est au niveau du rond central, au niveau de la ligne médiane aussi, on revient, on écarte là-bas sur la droite pour Mbo qui va entrer dans le camp de Créteil, qui va pousser son ballon, il va essayer d'accélérer, le très bon tacle justement de Sam Guibert qui va pouvoir accélérer, il a un petit peu de mal à pousser au rapide, au physique, pour vis-à-vis à face à Niakate et Valentin Faux qui va pouvoir écarter sur la droite. Ça s'est super bien ressorti de la part des joueurs d'Épinal avec le centre de Yuan Bai. Non, peut-être le crochet. Il va voir face à Rodriguez. Yuan Bai, il rentre dans la surface. Il est un petit peu seul. Yuan Bai, il va rentrer le centre de Bai. Finalement, c'est touché. C'est contré par Rodriguez. Mais il a toujours eu peur. Yuan Bai, il remet derrière jusqu'à Paul Léonard. Le centre de Léonard. La frappe de Valentin Faux qui a un petit peu raté cette demi-volée récupérée par Yann Kerboriou qui va pouvoir se relancer là-bas sur la droite pour le souffle Niakate. Qui va essayer d'accélérer, il est un petit peu seul, il y a du champ, et du coup, ça va pousser forcément. Et c'est intercepté par Anis Eliouti avec Joan Paul. Parce que Sébastien Plugrenier, Paul Léonard, et ça fera une touche pour l'US Créteil. Alors qu'évidemment, on voit les joueurs d'Épinal essayer de conserver le cœur, d'accélérer. Fait, on ne sait pas si je suis récupéré peut-être par Bélène Zawi là-bas en créant surface pour Kevin Salus. La faute sur Kevin Salus, non, rien de monsieur l'arbitre qui a laissé l'avantage d'avoir une occasion à surface de centre. Et c'est capté par Mboka et Passi qui va avoir le cuir. Et puis, il y a quelques fans dans les tribunes. Anis El Eriti. Sur la gauche. Avec un taquet de Chris à nouveau là-bas qui va avoir le cuir. Et d'abord, pour remettre jusqu'à ses stores pour Abdoulaye Diawara. À nouveau ses stores. Jusqu'à Abdoulaye Diawara.
quoi, sur le capteur de ballon. Parce que justement, Kevin Samuels l'a bien récupéré, la grosse rondelle de Diawara, il a annulé l'occasion, il a franchement un carton jaune, le capitaine Espignalien, voilà, qui va être fait. 55 minutes de jeu, là, on sent qu'il veut un petit peu accélérer aussi sur ce genre d'action, et ça se sent, et ça se voit aussi, c'est la bonne nouvelle pour les Cristoliens, c'est plus que ça se voit, que ça se sent. Sur ces actions, Vizy a réduit le score du côté de console. Important de le noter. Justement, peut-être cette occasion pour les joueurs de Créteil, c'est pas forcément très bien tiré, en plus, on doit rejouer, c'est le 5 coup de revenir en plus. Il n'a pas vu, monsieur l'arbitre. Si, voilà, il a mis presque 15 secondes à voir, mais en tout cas, il l'a bien signalé. Sur cette action, et du coup, on va pouvoir se dégager du côté d'Épinal. Là-bas. On va essayer d'aller au duel, on va essayer d'accélérer un petit peu du côté de Créteil, d'être plus incisif dans ses contacts, essayer de faire quelque chose. Et justement, Kevin Saint-Louis va essayer d'amener le ballon, il est repris au duel par ses stores et ça va être dégagé par la défense d'Épinal. Et voilà, Tafo qui va peut-être gagner son duel. Non, très bien vu de la part de Jonathan Régaillin qui s'impose et qui arrive à trouver Kevin Saint-Louis. On a plus le ballon, joué Paul loin devant là-bas, peut-être face à ses stores qui remet la tête. Il n'a pas la solution. Oh, la bonne intervention, ça revient quand même sur Rania Katé. C'est carfouillé complètement en face. Surface, il y a 4 joueurs par terre, 2 d'Épinal, 2 de Créteil. Et finalement, tout le monde se relève et on va pouvoir se dégager avec Paul Léonard. Il a un petit peu en difficulté le Spignalet. On a du mal à construire. On est plus agressif sur les joueurs porteurs du ballon de la part des joueurs de Créteil avec ce long ballon là-bas, peut-être pour Jonathan Gaillin qui va récupérer le cuir, qui va désirer directement Joanne Paul, le capitaine Cristolien qui va avoir le ballon là-bas sur la droite. La bonne intervention justement de la Nice et Ricky. Elle fouche pour Créteil, comme Jonathan Gaillin. Bien, Jonathan, j'ai presque eu un doute sur le prénom. Faire la touche avec toujours Fred Marquez qui décroche beaucoup sur ce genre d'action pour venir en soutien de ses coéquipiers. On arrive à relancer du côté d'Épinal et à avoir le cuir, à essayer d'être voilà, un petit peu comme on a pu le faire par un temps, c'est on s'expose pas à prendre de but et on maîtrise le sujet, mais là c'est plus difficile quand on se débarrasse trop vite du ballon. On est un pressing beaucoup plus important de la part de Créteil, voilà, qui est fait justement avec à nouveau l'Amzaoui qui passe. L'Amzaoui, ou très intéressant, il y a faute sur Bilal l'Amzaoui. Faute justement de Dabo. Je parlais tout à l'heure, hein, je vous ai dit en préambule d'avant-match, je parlais de Olivier Robin, le gardien d'Épinal. Il a justement pu avoir beaucoup d'expérience, un fameux match mythique hein, de la part des joueurs d'Épinal face à Lyon de France il y a maintenant 4 ans. Ils avaient éliminé les Lyonnais au sens du penalty avec l'héroïque Olivier Robin, justement. Pour rappeler bon souvenir. Hein, des... Les supporters d'Épinal qui pourraient nous écouter, c'est match face à Lyon, en Coupe de France. Ah oui, des souvenirs de coupe hein, pour. Les joueurs. Final. Attention à Nusson Sakate, là-bas à droite de la surface, il va arriver le joueur de Créteil, la frappe de Niakate, c'est dommage sur cette action. Et on va accélérer justement avec Dabo. On est ici pour un nouveau Dabo, il va trouver Valentin Fouquier, une touche de balle avec un nouveau Dabo. C'est un petit peu d'avoir des solutions un petit peu plus claires. On
du côté d'Épinal et on va essayer d'être tranquille. Attends, je ne peux pas prendre de risques. La tête des joueurs de Épinal qui ne trouve personne. 60 minutes de jeu tout pile ici à Du Rocher, Créteil 0, Épinal 0. Alors je ne vais pas dire qu'on s'éclate, on va pas dire que c'est la plus grande folie ici du côté de Du Rocher. Mais par contre, j'ai vu pire, donc voilà, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable, alors je sais pas si jamais le fait de l'écouter vous le rend peut-être plus agréable, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais voilà, pour le moment on voit un match où on est l'équipe des finales, on va dire qu'il n'y a pas d'énorme occasion, c'est pas vraiment flamboyant, mais par contre, en tactique et la discipline, notamment des finales, c'est très intéressant à regarder. Alors peut-être venir pour le gros puriste pour voir tout ça. En national, je pense qu'on a vu bien pire sur la saison précédente, que ce soit du côté du Vauchel, n'importe où, un peu partout, et au moment, c'est exactement un match où ça peut se débloquer de n'importe quel côté. Alors plus du côté des finales en première mi-temps, mais là, en seconde, on sent que Créteil est plus agressif sur le ballon, il y a mieux à faire. Et par contre, la construction, comme là, justement, avec ce ballon d'Embo, c'est beaucoup plus difficile. Avec Dabo là-bas pour Fred Marquez, ça va tenter de passer Sébastien Poulbronnier. Et la bonne intervention, il a fermé le grillage entre les jambes Sébastien Poulbronnier pour redonner à El Hamzaoui qui peut écarter là-bas sur la gauche pour Rodriguez. Rodriguez, ce ballon qui tombe une touche de balle jusqu'à Kevin Saint-Luc. Il n'est pas plus fort, je Kevin Saint-Luc. Il va falloir un peu de chance à Diawara. Il va passer Kevin Saint-Luc. Il n'a pas de solution. Diawara se bat. Et il y a contre sur Abdou Diawara. C'est bien défendu de la part de l'Ouest parisien. C'est sur cette action, le capitaine des finales a pu se défaire de Kevin Saint-Luc. On se dégage avec la tête de Fred Marquez et on touche. Demande d'appel là-bas, justement. Vu un bail. On s'impatient un petit peu dans les travées du Rochelle. Avec un bail, il n'y a pas la solution. Finalement, il va écarter. Diawara. C'est pas la solution, moi, Kevin Saint-Luc, tabac, il a réussi à récupérer le cuir. Là pour Niakate, la bonne sortie à nouveau des Passy. Il y a peut-être rien, on va essayer de capter le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire avec là-bas, peut-être Sébastien Poulbronnier. Voilà, on va essayer d'un petit peu de combiner un peu plus, d'avoir des solutions un peu neuves du côté. De Créteil avec Embo. Alors là, on est monté un petit peu plus. On a aussi un petit peu plus pratiqué le pressing du côté d'Épinal sur cette action, mais c'est difficile. Je pense qu'on ne serait pas contre un point du côté de Créteil, évidemment, même si on sent qu'il y a moyen d'en prendre plus. Quand même, c'est pareil pour Créteil, je pense qu'on va permettre de les satisfaire loin de là. Ce match pour le moment. Plus que terne. J'ai du stade Dominique du Rocher. Alors là, on va toujours faire autant ces petits points sur les autres rencontres. Ah, selon ballon là-bas, il y a le faute d'Abdoulaye Diawara. Attention, il a déjà eu un jeune, il a fait la faute justement là-bas sur. Sur Tanga. Alors qu'un changement se prépare du côté. De Créteil. Allez, le double changement pour l'USL avec la sortie du numéro 7 du champion Niakate. Il est remplacé par le numéro 23 du champion Doué. La sortie de Niakate. Remplacé par Youssouf Touré, ancien Colmar et ancien Youssouf Touré, et ancien du PFC, et sorti de Kanga, remplacé par Youssouf Sako, qui le remplace.
pour Créteil, et donc on va mettre dans la boîte justement c'est Elzaoui qui va le tirer ce coup franc. Non, comment ça joue en deux temps, c'est tiré d'une certaine façon avec Rodriguez, le ballon de Rodriguez est récupéré peut-être par les joueurs d'Épinal et non quand même par Créteil là-bas, puis Brunet en position de lié va avoir un petit peu de mal et ça va sortir en touche, donc on va pouvoir garder la pression sur la cage d'Épinal de la part des joueurs de Créteil. 65 minutes de jeu 0-0 ici à Douchelle entre Créteil et Épinal. Je répète avec justement Dabo. Donc il n'y a pas la solution. Ce sera une faute. Et avec cette faute de Kevin Saint-Louis là-bas. Et c'est de l'autre côté, il est passé à droite. Kevin Saint-Louis, il est surtout à gauche. Sur ce dispositif tactique, avec toujours Bilal Hamzaoui en numéro 10. Et du coup, ça va permettre à Épinal de pouvoir se dégager après cette faute là-bas, justement de Kevin Saint-Louis. On va essayer d'envoyer un long ballon là-bas jusqu'à peut-être Fred Marquez qui ne va pas réussir forcément à se lever la tête. Je rappelle que Fred Marquez n'est pas le plus grand des joueurs qui existent de football. Un petit peu seul devant, malgré une bonne qualité technique. Et c'est récupéré à nouveau par les joueurs d'Épinal. Mais la pression de Kevin Saint-Louis ne lâche pas du côté d'El Rassi qui essaye de contrôler ce ballon et qui va obtenir une touche. On va garder la pression sur les joueurs d'Épinal, du coup, de la part des Cristoliens sur ces actions-là. On essaye de presser, d'être un petit peu plus agressif. On a vu l'entrée du Youssouf Touré, donc à 3 minutes. On rappelle Youssouf Touré, ancien joueur du PFC. C'était une saison. Une saison sur l'air Alain Goma du côté du Paris FC. Ça remonte maintenant quelques années. Ça remonte. En fait, c'est tout, ses apparitions. Alors, il y a aussi eu le passage au Gazélec en Ligue 2 derrière, à Colmar en National. Et on pourrait survivre. Il a fait quelques clubs, on se retourne en Ile-de-France. Attention justement avec Yohan Bay qui va réussir à passer. Yohan Bay qui va entrer à la surface. Et tout seul Yohan Bay, il va faire réussir face à Pugronier. Il va faire le ballon, c'est dommage. Mais quelle accélération. Yohan Bay là-bas justement qui a réussi à rentrer dans la surface et obtenir le corner. Il avait montré qu'il avait des cannes et des poumons sur cette action. Le joueur d'Épinal, même s'il y avait peut-être mieux à faire sur la fin. Et du coup, corner que va tirer l'ancien joueur du PFC, Fred Marquez. Ils ne sont pas à l'abri, Créteil. Ils sont très loin de l'abri. Et attention à ce corner pour Épinal. Le corner qui va tirer par Fred Marquez. Non, en attendant, Michel Arbit va prêler à l'ordre. Deux joueurs dans la surface de réparation. Allez, le corner qui va tirer par Fred Marquez justement là-bas au premier poteau. Ça a tenté d'être dévié par Gilbert qui n'a pas pu le faire. Ça revient sur Fred Marquez. Ça ne vous conclut par le dos de Sébastien Pugronier. Il va avoir une touche. C'est dommage pour Épinal qui avait peut-être mieux à faire sur cette action et récupéré par Yohan Bay à nouveau. Est-ce qu'il y a une faute sur Yohan Bay? Oui, dit monsieur l'arbitre. Là-bas la faute. Et du coup, on va avoir à nouveau un bon coup franc là-bas pour Épinal. On va le mettre dans la boîte. Un coup franc probablement indirect. Pour les joueurs d'Épinal, le danger continue et d'être présent sur la cage de Créteil. Le corps, coup franc. Le coup franc qui va être tiré à la part des joueurs d'Épinal. Avoir la pression sur la cage de Créteil et la cage de Yann Carborio sur cette action. Ou un match où on n'est pas sort en 69 minutes de jeu, 0-0 entre Créteil et Épinal, avec ce point à suivre pour les joueurs spinaliens. C'est fait monsieur l'arbitre, voilà, qui va être parti ce coup franc justement. Touché au premier poteau là-bas par un joueur de Créteil et ça va rester dans la surface de réparation. Attention justement, avec Sestor qui va tenter ce centre. Et ça va être touché par personne. Et ça va être un 6 mètres, donc forcément pour Yann Carborio. Pour l'US Créteil, dans un match qui est un petit peu terne, mais on voit un Créteil quand même un petit peu en dessous de ses attentes. Hein. Évidemment, où il y a un Épinal qui collectivement est bien en place, même s'il manque un petit quelque chose offensivement pour faire la différence. Peut-être que suffisamment la Créteil, ça a dû le montrer sur cette fin de match. Ah, bon, justement, on parle Gilbert qui de là a tenté de remettre, mais Sébastien Pugronier est bien présent et va pouvoir remettre derrière jusqu'à Yann Carborio. Vu qu'on va arriver à 20 minutes de la fin, on va faire le petit point aussi sur les autres résultats de ce championnat national. Le temps, je vous rappelle hein, toujours qu'il y a l'autre lien hein, pour suivre la Ligue 2, commenté par Julien Yelch avec ce Red Star Laval.
D'ailleurs, ça va être même 1-0. Attention à ce nouveau ballon, quand même, juste avant d'avoir ce ballon là-bas pour Fred Marquez. Fred Marquez peut être en face à face, Mbou va revenir et Fred Marquez va être confavorable et se récupère par Yannick Arboriou. Oh. Attention, il ne faut pas le laisser seul, hein. Le joueur passé par aussi le championnat du Luxembourg, Fred Marquez, sur ce genre d'action. Alors je disais que Château mène 1-0 à Branche, que Sedan mène 0-0, que Bastia mène 2-0 face à Pau, que Consola mène 2-0 face à Béziers, Lyon la Duchère mène 1-0 à Belfort, Boulogne mène 2-0 face à Zerbier et Concarneau mène 1-0, même 2-0 maintenant du côté de Quevilly-Rouen. Concarneau qui était auteur d'un énorme début de saison quand même, hein. Comme Dunkerque d'ailleurs, Dunkerque qui demain, je rappelle, à suivre sur le jour de sport, se déplacera du côté du Stade Charité au Paris FC. En attendant, on est bien du Rochelle avec ce score toujours 0-0, on vient de rentrer dans les 20 dernières minutes ici et Mbou va pouvoir piquer son ballon là-bas. Fou, la très bonne intervention justement de Oumar Gonzalez. Après, on entend Yabara bien rappelé à l'ordre, hein, pour le placement. On va essayer d'être bien présent sur les duels. Et voilà, qui est fait, mais c'est quand même derrière Créteil qui peut avoir le ballon avec Johan Paul, l'ancien ami qui est en face derrière. Avec Sébastien Puy-Grenier. Pour un nouveau Johan Paul, est-ce que sur ces 20 dernières minutes, on va se dire du côté d'Épinal, il nous faut absolument le point? C'est possible. En tout cas, on sent que aussi on compte, j'avais dit en premier temps qu'on compte Créteil est dangereux, mais c'est le cas aussi du côté d'Épinal. Allez, ça va revenir là-bas sur la droite directement jusqu'à Sacco. Il y a une faute sur Sacco. Il y a une faute sur Sacco et ce sera un coup franc presque en position de corner pour les joueurs de Créteil. Là-bas sur la droite, il va mettre le danger sur la cage d'Épinal. C'est là le Mounzaoui qui va aller le tirer. Comme sur l'arbitre, on va rappeler à l'ordre Sacco. Évidemment, histoire qu'il reste le patron sur le terrain, que Laurent Fournier a fait tomber la piste. Formation importante. Allez, avec les joueurs de Créteil pour ce coup franc. Alors, quand vous avez eu son côté avec M. Ravit, on sera à peu près en face du chef de la faute. Et où je pose mon ballon. Joueurs de Créteil d'avoir ce coup franc. Allez, Lamzaoui pour tirer ce coup franc, on a mis un peu de temps, on va le tirer. Le centre là-bas s'est dégagé de deux points, attention, ça peut revenir en fin de surface et Paul Léonard va se jeter, va se sacrifier, il s'est fait mal. Il s'est fait mal, mais il y a quand même une situation de compte pour les joueurs d'Épinal. Il va y avoir un gros compte là-bas, ça va revenir au niveau de la ligne médiane et c'est Fred Marquez à l'entrée de la surface, il est un petit peu seul. La frappe, c'est contraire, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Alors que ça va partir de l'autre côté avec Lamzaoui, donc il y a deux joueurs, un joueur d'Épinal et de Créteil qui reste au sol, mais alors sur ce compte, il y avait tellement mieux à faire de la part des joueurs de Créteil, alors que je faisais juste attention parce que Mike Sestor a envoyé le ballon et est passé juste à ma droite, elle est juste en haut de la tribune. On ne sait jamais pour le matériel, hein, évidemment, pour le jour. Ça me rappellerait presque l'époque des Gerines, on était tout en bas et que les ballons, des fois, pouvaient arriver proches de notre matériel. Nous ne sommes pas des Gerines, nous sommes bien du Vauchel. Désolé pour les nostalgiques qui nous écouteraient. En attendant, donc, il y a deux joueurs blessés et ce contre avorté, du coup, de la part des joueurs de d'Épinal, il y avait beaucoup mieux à faire. Comme départ d'action contre Laurent Fournier qui a l'air un petit peu de râler quand même sur son bord. Et pour le moment qu'on en profite évidemment pour trouver dans l'ensemble national tout autour de nous aussi dans ces cravettes du Vauchel. Allez, ça va pouvoir mettre au joueur de Créteil d'avoir la touche. Alors, je crois qu'au moment de la rendre évidemment à Épinal. Avec le ballon qui va être récupéré par Annecy et Lerici. Il n'y a pas la solution ici, si on trouve Ryan sur la droite. Ryan là-bas, on va essayer d'écarter peut-être. Abdiabara va sortir de son bloc. Et finalement, Johan Paul va écarter sur la droite. Il a le ballon là-bas. Johan Paul, il va tenter de trouver Jonathan Ragaïen. Et après, solution, ça va être dégagé en une catastrophe par les joueurs d'Épinal. Ils ont du mal à ressortir le ballon aussi facilement qu'ils ont pu le faire en première mi-temps. Et peut-être là, justement, pour l'occasion, pour les joueurs de Créteil. Penalty!
franchement, simulation, et non, simulation à l'encontre de Cyril Mandzukic. J'allais dire penalty parce que on a vu justement le gardien d'Épinal faucher dans la surface Cyril Mandzukic et monsieur l'arbitre courir vers le point de penalty, mais finalement c'était juste pour traverser le point de penalty qui a juste allé signer à Cyril Mandzukic. Un carton jaune pour simulation. Mais Duvauchel a cru, lui, à la 75e minute, qu'il y avait à avoir un pénalty pour les joueurs de l'USCL. En tous les cas, ce n'est pas le cas, du coup. Et alors, ce qui est bien, c'est que je pense que le gardien aussi d'Épinal, Mboka et Passy, a vu arriver justement vers lui, monsieur l'arbitre, et a ravé la main dans la poche, et se dire « Oh non, de toute façon, le carton rouge pour moi, ce n'est pas possible. » Ce n'était pas le cas. Ça a été un carton jaune pour simulation pour Cyril Mandzukic. C'est vrai que de là où on est, c'est un petit peu difficile à voir quand même. Enfin, moi, j'ai du mal à être sûr, je ne peux pas vous dire qui a tort ou qui a vraiment raison quand il y a un changement du côté de l'US Créteil. Sur les autres pelouses, Boulogne-Mène 2-0 face aux Herbiers, j'ai eu le temps d'annoncer le but de Chambly à Sedan. Chambly qui mène 1-0 du côté de Sedan, et ça, c'est une bonne opération pour les candidats qui recevront le PFC la semaine prochaine. À l'heure actuelle, on aura le temps de faire un petit point à la fin. Voilà. C'est assez incroyable. Alors, on rappelle quand même l'entrée de Martin Boum pour l'US Créteil, car nous sommes un bon leader. C'est-à-dire qu'il y a encore un changement avec la sortie, enfin l'entrée de Simon Bungu du côté. De Épinal. Alors la sortie, c'est surtout ça que je suis en train de surveiller plus précisément qui va sortir du côté spinalien. C'est la sortie de Samuel Guibert, il me semble. Donc il salue quand même ses coéquipiers sur la pelouse. Le temps de sortir. Alors c'est peut-être qu'ils pouvaient espérer mieux les joueurs des finales pour le moment, jusqu'à 0-0, mais un point au Créteil. Ce n'est pas non plus à Froll, qui est une opération maintien pour les joueurs des finales. Peut-être que physiquement sur la fin ça va être difficile aussi. C'est aussi à prendre en compte. Ça peut-être avec Renan là-bas justement pour Johan Bay sur la droite. Johan Bay il va centrer, mais il n'y a personne et ça va sortir peut-être en 6 mètres avant. Oui, je pense que c'est un 6 mètres. Oui, ce 6 mètres signé par monsieur l'arbitre pour Yann Carborieux. On va glisser tout doucement vers les 10 dernières minutes de jeu. Ici, du côté de Créteil, avec un toucher. Par les joueurs de Créteil, d'avoir un petit peu plus de cuir, pouvoir se dégager. Attention, on s'en met les passes avec Embo qui a glissé et qui attaque là volontairement la gagnante sur cette action. Il a fourni sa gasse toujours sur son banc. Et du coup, Épinal va avoir la touche, et c'est ce que je vous disais. Donc, dans le dernier jeu, on va rentrer. Toujours ce score de 0-0. On aimerait bien quand même un petit but ici du côté de Duvauchel, quand même. C'est qui prend son temps pour faire la touche. On va mettre la dévier le ballon, justement, par Omar Gonzalez. Et Fred Marquez va faire faute sur Embo. Embo va pouvoir se dégager un petit peu les bras ballants en disant proposez-moi plus de solutions. Mandzukic a proposé une, mais finalement il va se déplacer pour aller demander plus haut le ballon avec le ballon d'Embo là-bas. Un touché passé bien vu de la part justement de Sakou qui remet sur la gauche à Youssouf Touré. À l'entrée de la surface, Youssouf Touré, la frappe de Touré, ça va aller au-dessus. La balle là-bas, il a enveloppé du pied droit intérieur et ça passe au-dessus des cages d'Embo qui est passé. Je sens l'impression, le sentiment que Créteil pousser sur cette fin de match. En tout cas,
ont plus la pression d'aller chercher les 3 points qu'Épinal, ça c'est sûr. Oh ouais, peut-être une faute là-bas, non, finalement, on a une servie sur ceci, mais on va essayer de récupérer le ballon avec Abdoulaye Diawar, hein, là-bas, qui essaie d'avoir le cuir, c'est pas facile de décaler sur la droite. Touche pour les Cristoyens. Qui va rien donner, peut-être une faute, on va réclamer une faute, mais ce sera pas une touche. De l'autre côté, un joueur de Créteil reste au sol, du coup, on va utiliser, on est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu. Ce match qui s'est toujours pas débloqué au niveau du tableau d'affichage, 0-0. Avec la touche pour Créteil. Ça touche par les Cristoliens. Ah, Johan Paul peut-être toucher le ballon de la main, voilà, sur le ballon retour, il a touché légèrement du haut du bras, Johan Paul le ballon. Et du coup, bah, forcément, ça va permettre au joueur d'Épinal de se relancer, voilà, qui est fait par Abdou Diawara. Carte, allez, on va pouvoir jusqu'au gardien qui peut à nouveau se dégager. On essaie de conserver un petit peu plus le cuir du côté de Créteil et de s'exporter vite vers l'avant, et c'est ce qu'ils essaient de faire. Justement, c'est ce que fait très bien là-bas. Ce lien est peut-être un petit peu trop Mandzukic, là, qui n'a pas pu plus en faire, et c'est touché par Fred Marquez, qui n'a pas fait ça ici. Ah, une faute pour Épinal, et Laurent Fournier n'est pas du tout d'accord, il est sorti de son banc. Avec Abdou Diawara qui a essayé de piquer le ballon, voilà, qui est fait pour Omar Gonzalez, qui dévisse complètement. Omar Gonzalez sur ce ballon va récupérer par Dabo. Et finalement, c'est quand même Créteil qui va avoir le dernier mot. Il y a une faute d'Abdou Diawara, il dit rien. Non, rien dit monsieur l'arbitre. Il me semblait qu'il y avait un petit croche-pied de la part de l'ancien parisien. Mais non, plus rien. Alors que là, on entend Laurent Fournier qui s'énerve particulièrement. Il a un grand coup de pied dans la bouteille. Donc, il était devant lui et c'est le délégué qui vient leur appeler tranquillement. La colère froide hein, de l'enfant. C'est que de là où je suis, je l'entends. Si vous, vous l'entendez, mais c'est encore plus beau. Si c'était le cas. Peut-être le ballon là-bas décalé son grand. Oh, regarde évidemment les autres résultats. Le buteur de Chambly, Grégory Jandrès. On est pour tous les autres résultats. Ça n'a pas bougé. On fera un point à la fin du match. Du côté du National, 83 minutes de jeu, 0-0. Après, l'arbitre assistant vient voir son arbitre central. Alors c'est pour un changement ou autre chose. Non, c'est pour aller voir Laurent Fournier. Que va dire monsieur l'arbitre à Laurent Fournier? Expulsion, Laurent Fournier, qui est ramené en tribune après ce coup de colère. Il n'arrive pas avec son assistant. Laurent Fournier est expulsé. Sans trop broncher, il est allé quand même en tribune, Laurent Fournier, sur cette action. Voilà, il se passe un petit peu des choses quand même sur ces 20 mètres. Ah, ce long ballon là-bas de Rigaillon, c'est à 26 mètres. L'on fournit ce but pour ce passage où il râle. Il a vu un grand coup de pied dans la bouteille où il réclamait, il disait, mais il y avait pénalty tout à l'heure là-bas. Alors ça, il y a comme je dis, alors que changement du côté des pénales avec la sortie de Valentin Fauqui qui sort. Et l'entrée d'Hamza Saki. Oh.
On va arriver dans 5 dernières minutes. Est-ce qu'Epinal va tenir son score? Est-ce que son coach Créteil sur le banc peut toujours s'en sortir? À voir. Fred Marquez là-bas sur la gauche face à Embo. Fred Marquez le centre là-bas. C'est dégagé un petit peu de manière difficile. Ça revient sur Saki justement après la surface. Et la passion, la frappe, elle est contrée. Est-ce que ça va aller en corner ou pas? Et Carboyou va la sauver. Sans trop de soucis finalement. Les philoptiques, mais c'est pour ça qu'on va dire directement en corner. Mais ça n'était pas le cas. Et du coup, Yann Carboyou va envoyer un ballon loin devant là-bas. C'est touché par Paul Noir de la tête avec Omar Gonzalez qui n'a pas de solution. On essaie tout le temps d'accélérer du côté d'Épinal et ce ballon est touché par un Cressolien et on va avoir la touche. Ça risque forcément d'un petit peu râler, je pense, si on reste à 0-0 dans les travées cristolliennes. Cop, Cressolien continue évidemment bien évidemment de pousser son équipe. Et si du côté du stade Dominique du Rochelle, ouais, attention, ce ballon contré deux fois touché par un joueur spinalien. J'espère que demain on va avoir plus de buts. Parce que si on fait deux matchs de national sur le week-end, sur le jour de sport, et qu'en plus il y a zéro but, alors là ça va plus du tout. Ah, ce ballon là-bas, justement touché par Youssouf Touré, va se trouver une touche de balle, mais c'est bien défendu. Et justement, Yohan Bay qui a fait une bonne rentrée, lui qui est rentré juste avant la mi-temps, après la blessure de Jérémy Collin. D'abord à qui dégage le ballon. Pour récupérer à nouveau le ballon des côtés d'Épinal. Alors, on se dirige vers la fin. Même si Épinal a fait une très bonne première mi-temps, mais après la deuxième, il y a quand même du positif dans ce match-là pour l'Espinalien, puisque pour Créteil, en fonction des objectifs. Évidemment, ça varie de ce côté-là. Créteil qui doit jouer la montée, ce qui n'est pas le cas d'Épinal qui doit jouer le maintien, respectivement par rapport à leur objectif. Évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. Alors qu'attention quand même là, justement on va avoir le ballon avec Mimou qui peut décaler justement avant du coup la tête là-bas, ça revient et ça va être avec Mike Nestor qui juste de la poitrine la remet à son gardien et peut-être une situation de coup pour Épinal qui va tenter de trouver là-bas Fred Marquez. Fred Marquez qui décale sur la droite, Yohan Bay, à Fred Marquez là-bas dans l'axe, il l'a pas vu. Si finalement on aura une grosse occasion pour Épinal, pour Fred Marquez sur la droite, Marquez il l'a vu au second poteau, ça va être l'énorme occasion pour Épinal. Oh là là, c'est mal joué. Oh, que c'est mal joué. Qu'est-ce que c'est mal joué. Et peut-être mieux à faire. Et ça a été beau retour de la part des joueurs d'Épinal. Oh là, quelle situation pour l'Espagnol à la 87e de gagner ce match. On a frôlé la catastrophe du côté de Créteil. Il y a peut-être mieux à faire que l'Ardennais. On a peut-être tiré direct, mais l'angle était un petit peu fermé. Énorme situation, énorme occasion pour l'Espinalien à la 87e minute de jeu. Et ils vont quand même avoir la touche derrière. Ça aurait été énorme. Je pense qu'on peut ouvrir le score, attention. À ce centre qui n'aura rien, ce sera un 6 mètres. Ils se montrent peut-être presque les doigts finalement quand même. Les joueurs d'Épinal de cette fin de match. Avec Puy-Grenier là-bas, la feinte de Puy-Grenier qui repasse derrière et qui essaye de trouver la solution. C'est pas le cas, allez, on va envoyer un petit peu plus derrière, faire mon ballon piqué et ici qui va pouvoir toucher le ballon avec le cas aussi de Dabo. Avec Sébastien Puy-Grenier qui n'a pas la solution. C'est finalement très bien vu de la part de, pour Mimoun au 35e. Mimoun est tout seul, la frappe de Mimoun. Ça va aller bien au-dessus et ça va faire un 6 mètres pour Épinal. Alors, je pense qu'on va descendre, il y aura peut-être une minute, pas plus. Hein. Je sens qu'il va avoir un problème de la pub, elle s'est arrêtée. Elle peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter là. Évidemment. Le problème est 3-0. Ah non, c'est 16RB. On va faire le point complet sur le résultat. Attention à la faute là-bas, justement, de Joan Paul. Il a déjà un carton jaune. Et bien, c'est 4 minutes de temps additionnel. Ça me paraît peut-être un petit peu beaucoup. C'est comme ça. Quatre minutes pour
faire la différence du côté de Créteil et d'Épinal. Oh, attention à Nubois, ça fait peut-être là-bas. Non, ça ira directement en touche. Pour Épinal, arc ce ballon, ouais, ça va peut-être avoir une faute sur Mimou au départ de l'action, mais n'a pas été signalé par monsieur l'arbitre. Qui va remettre derrière, on va mettre la pression sur la cage des pénales évidemment. On joue avec, alors là, trois défenseurs. Pour l'organisation, on a vu quatre joueurs offensifs sur la ligne d'attaque du côté de Créteil. Cette action, on fait de manière très offensive du côté de Créteil. Allez, les Spinaliens qui ont fait la touche, parce que là, ils ont compris qu'ils vont plus subir qu'autre chose sur ces actions. Pourquoi pas en contre ? Pourquoi pas en contre comme tout à l'heure à la 88e avec cette énorme occasion pour les joueurs d'Épinal. Ouais, c'est ce que je parlais de contre justement avec là-bas sur la droite, One By. Là-bas justement à côté restaurant la tête depuis Brognier et enfin, ça va être récupéré par Saint-Luc là-bas sur la droite. Saint-Luc qui est un petit peu seul qui va essayer de passer et il va pas s'en sortir. Allez, ballon récupéré par les joueurs d'Épinal. Donc Dioussa essaye de pousser son équipe et exhorter à aller marquer quand même. Et avec Yohan Bay là-bas sur la droite qui va récupérer là un petit peu seul. Yohan Bay, il va pas avoir trop de solutions. Il va écarter quand même sur la droite pour Fred Marquez. Fred Marquez, il est dans la surface. Et Fred Marquez, le centre, ça dégage un peu pour passer. Mais ça revient quand même une deuxième fois sur Fred Marquez. Il n'a pas la solution. Si quand même derrière avec la frappe d'Oumar Gonzalez qui va partir très très loin. Presque tout juste dans Paris. Sans grand danger. Déjà à moitié du temps additionnel au moins. Claire de ce côté-là. Alors voilà, dégagé par Rodriguez. Donc on est trop vite, donc j'ai commencé à se vider tout doucement. Le score est toujours de 0 à 0. Et pourtant, ça n'est pas fini. Comme avec cette action, justement, on va avoir un très bon coup franc, peut-être, non ? Rien dit, monsieur l'arbitre. Et Cestar va pouvoir récupérer le cuir. On ne sort pas très bien. Ce ballon du côté des joueurs d'Épinal, si, quand même. Quand même, avec Omar Gonzalez qui va trouver Dabo. Oh, Dabo, c'est bien ce qu'il a fait. Il a réussi à récupérer le cuir au milieu de quatre Cristoliens qui font pressing haut. Et Yohan Bay là-bas sur l'embrasse. Yohan Bay, il va peut-être passer. Il va tenter le grand pont. Il va s'écouler. Rien, dit monsieur l'arbitre. Et ça va permettre quand même à Créteil de se dégager. Il faut qu'il soit les premiers sur le ballon. Les joueurs d'Épinal, si vous gardez le score. Et c'est pas le cas du coup. Bah, forcément, Créteil va avoir une occasion. Et du Vosch, elle va pousser. Avec Kevin Saint-Luc là-bas sur la droite. Pour peut-être la dernière occasion. Kevin Saint-Luc qui va essayer d'être tout seul justement. Il va essayer de provoquer en 1 contre 1. Le centre de Saint-Luc, ça revient dans la surface. C'est pas fini. Créteil va mettre la pression sur le but avec Mandzukic. Ça va passer pour tout le monde. Oh là là, Mandzukic qui a pas pu. Rabat bien ce ballon, mais c'est toujours pas fini parce qu'on va voir le ballon là-bas. On va essayer de chercher, trouver un corner du côté cristolien avec Story qui est un petit peu seul et il va obtenir la touche. La touche qui va être faite, on va arriver dans cette dernière minute maintenant pour les joueurs de Créteil, peut-être dernière situation pour essayer de mettre la pression, la touche à l'effet du temps pour Rodriguez, elle est sur Abdou Diawara, donc ça ne donnera pas grand chose, monsieur l'arbitre regarde son chrono et va siffler la fin de cette partie sur ce score de 0 à 0 entre Créteil et Épinal. Les quelques sifflets ici du stade Dominique Dubochel. Quelques regrets pour Épinal, mauvaise opération pour Créteil, peut-être pas une mauvaise opération comptable au titre du maintien pour les joueurs d'Épinal, ou en tout cas pour les joueurs de Créteil. Ce n'est pas du tout une bonne opération. Comptablement, ce 0-0 face au dernier Épinal. Alors, ce titre, finalement, sur ce score, il est bien 0-0 pour l'USCL.
On va en profiter pour faire un point sur les autres résultats. Justement, on va en profiter, parce que 0-0 est un peu compliqué. Un point Châteauroux-Saint-Pons pour le moment, Forez-Arrochat finit à 1-0. Chambly 1-0, à Sedan, Bastia Bell 2 en face à Fontaine, Sola 2 en face à Béziers, Olivier Chambly 0 avec Fort, Boulogne 3, les Herbes 0, Fion 4-0 à Quevilly. Voilà pour les résultats de la soirée. Et maintenant, demain, Paris FC Dunkerque qui sera à suivre sur Monde Sport à partir de 14h50 en intégralité depuis le stade Charity. On va se retrouver demain pour un match très important des Parisiens pour la défaite à Béziers. Et on aura aussi beaucoup d'actualités à refaire autour du Paris FC demain. Paris FC qui est 12e actuel avec Créteil, 11e avec un point, 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Le PFC aura l'occasion de recoller à la 10e place, donc de passer juste 11e, mais de coller avec lui quand même. Demain, en attendant, Dunkerque pourra voler en équipe première aussi, également en passant devant Carnot. Ça se resserre en haut de tableau. On aura l'occasion aussi demain donc, de voir tout ça. En tous les cas, sur ce, on va se laisser ici du côté du stade du Vauchelles, où on se score de 0-0 entre Spinal et Cristolien. Alors que tous les Spinalers rentrent ensemble. Et Christian vient de saluer leur top ici du côté du stade du Vauchelles. On va se retrouver donc demain avec cette rencontre entre le Paris FC et Dunkerque à partir de 14h50 sur le jour de ce soir. À ciao, à demain, bye bye, bonne soirée.